Tous nos élèves de maternelle sont de futurs écrivains, mais ils ne savent pas encore écrire. Du coup, je note à leur place. Ça s'appelle la dictée à l'adulte. Des bonbons, ils sont comment tes bonbons? Des bonbons à la fraise. Libérés de la contrainte de l'écriture, on est dans la création libre. Les enfants jouent avec les mots, découvrent le plaisir des rimes, du rythme. Un de mes livres favoris, c'est celui-ci. Dans la cuisine de la sorcière, il y a des choses incroyables. Soit c'est dégoûtant, soit c'est délicieux. Je demande à mes élèves d'inventer à leur tour quelque chose de délicieux ou bien de vraiment affreux. L'idée, c'est de pousser les enfants à enrichir leur texte avec des adjectifs, avec des compléments du nom. Un cafard à lunettes, un œuf de phasme, une limace toute gluante, un escargot tout chaud et un serpent avec un bébé serpent. Quelle fierté! Et je vous promets, ils en redemandent. Les enfants découvrent le plaisir d'avoir un impact sur les lecteurs. Ce sont des ateliers d'écriture avant même de savoir écrire. Un escargot avec des pustules, un os de chien et deux coccinelles dégoûtantes avec des œufs de crapaud et une limace.